Globalis, en el seminario, un niño jugando pateó tan fuerte al balón que entró por el primer piso destrozando el cristal del aula donde un obispo, sin mala intención, buscaba tocar el pene de otro niño y al asustarse pegó tal grito que la abuela Blasa, que vivía enfrente, pensó que volvía otra guerra y que a su marido, que en paz descanse, volvían a hacerle el paseillo los mismos que ganaron la anterior guerra. Así que llamó a su nieto, Manonín el camello, para que le ayudara a bajar hasta un oscuro sótano donde el nieto camello guardaba sus tesoros, con tan mala suerte que la abuela tropezó en la oscuridad y fue a caer en las bolsas blancas que su nieto esperaba vender esa primavera. La abuela, empolvada hasta las cejas, cogió el arma que al lado de las bolsas dormitaba y salió a la calle dispuesta a defender la ciudad universitaria, y al pasar por Moncloa vio el coche oficial del presidente disparándole e hiriéndole mortalmente de necesidad. La prensa internacional se hizo eco de tal barbarie y el rey, mientras cazaba en Zaire, lamentó lo sucedido y la abuela ingresó en Alcalameco. Mientras tanto, un holandés que recogía tulipanes en la tarde anaranjada de su huerto leyó la noticia y, alarmado, dejó de exportar la apreciada flor a los Estados Unidos sin pensar, y esto es cierto, que cual aleteo de mariposa en el Pacífico, su postura iba a alterar el pequeño negocio del floristero de Manhattan, Allen Woody, que vivía de vender tulipanes a los ricos y brokers de Wall Street justo en el mismo día en que Lehman Brothers caía. Con la bolsa desplomándose y las alarmas alarmándose, el floristero de Manhattan, Allen Woody, dejó de pagar el alquiler de su bonita casa de los fines de semana en el idílico paraje de los Grandes Lagos, dejando sin sustento al viejo Jaime Sánchez, que sin trabajo, pero siempre contento, vivía de la renta que dejaba el floristero, al que habían dejado de comprar los ricos de Manhattan por culpa de un holandés que no exportaba, porque una abuela asesina fue asustada por el grito de un obispo al que le entró el balón por su ventana. El viejo Jaime Sánchez, español que años antes entró por un túnel de Juárez directo al paraíso, 70 años antes llegaba a Morelia, México, en un barco como hiciera Marco, huyendo del señorito de su pueblo extremeño que en la guerra quiso hacerle pasar por el trágico, histérico y titánico calvario de honrar a los asesinos de sus padres, siendo él apenas niño. Aquel señorito tuvo dos hijos, el primero heredero de sus fortunas y el segundo pasó a ser cura y de cura a ser obispo, el mismo obispo que ya de viejo en el seminario vio entrar aquel balón con tanta fuerza que destrozó el cristal del primer piso. Effet papillon. Au séminaire, un enfant qui jouait au ballon tira si fortement que ce dernier pénétra par le premier étage, brisant le cristal de la salle de classe où un évêque, sans mauvaise intention, cherchait à toucher le pénis d'un autre enfant, qui, effrayé, poussa un tel cri que Blaza, la grand-mère habitant en face, pensa que c'était une autre guerre et qu'on faisait à son mari, que Dieu, que son âme repose en paix, un nouveau couloir de la mort organisé par les mêmes qui gagnèrent la guerre précédente. Alors elle appela son petit-fils Manoline le chameau pour qu'il l'aide à descendre jusqu'au sous-sol sombre où le petit-fils chameau gardait ses trésors. Et avec une si mauvaise chance que la grand-mère trébucha dans l'obscurité et tomba sur les sacs blancs que son petit-fils espérait vendre ce printemps. La grand-mère, maquillée jusqu'aux sourcils, prit l'arme qui sommeillait à côté des sacs et sortit dans la rue prête à défendre la ville universitaire. Et en passant par Moncloa, vit la voiture officielle du président lui tirant dessus et le blessant mortellement d'un coup de feu. La presse internationale s'est fait l'écho d'une telle barbarie. Et le roi, tandis qu'il chassait au Zaïre, regretta ce qui venait d'arriver et la grand-mère fut emprisonnée à Alcalameco. Pendant ce temps, un Hollandais qui ramassait des tulipes dans son jardin au crépuscule a lu la nouvelle et, alarmé, cessa d'exporter la fleur précieuse aux États-Unis,
sans réfléchir. Il est vrai que tel un battement d'ailes de papillon dans le Pacifique, sa décision allait changer le petit commerce du fleuriste de Manhattan, Allen Woody, qui vivait de la vente des tulipes aux riches et aux courtiers de Wall Street le même jour où Lehman Brothers est tombé. Manhattan, Allen Woody, cessa de payer le loyer de sa belle maison secondaire dans le paysage idyllique des Grands Lacs, laissant sans subsistance le vieux Jaime Sanchez qui, sans travail mais toujours heureux, vivait des revenus que lui laissait le fleuriste à qui les riches de Manhattan n'achetaient plus rien à cause d'un Hollandais qui n'exportait plus parce qu'une grand-mère assassine fut effrayée par le cri d'un évêque qui avait reçu un ballon par la fenêtre. Le vieux Jaime Sanchez, espagnol, qui des années plus tôt entra par un tunnel de Juarez directement jusqu'au paradis, est arrivé à Morelia, Mexico, 70 ans plus tard, dans un bateau comme l'a fait Marco, fuyant le notable de son village d'Extrémadour, qui pendant la guerre a voulu le faire vivre, le tragique, l'hystérique et le grand calvaire d'honorer les assassins de ses parents, étant lui-même juste un enfant. Ce notable a eu deux enfants, le premier héritier de sa fortune et le second est devenu curé et puis est devenu évêque, le même qui, déjà ancien au séminaire, vut entrer le ballon avec une telle force qu'il brisa le cristal du premier étage.